Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo tutoriel dédiée au clavier maître Advance et au logiciel associé VIP. Nous allons commencer par les étapes d'installation du logiciel VIP et les manipulations nécessaires pour accéder aux instruments virtuels et aux presets de son via le clavier. Puis nous allons voir ensuite comment préparer des setlists pour le live et le studio, ainsi que la façon dont tout cela interagit avec votre logiciel de production musicale. Je vais d'abord vous expliquer comment installer le logiciel VIP. J'ai déjà lancé le programme d'installation. Il ne me reste plus qu'à lancer l'application. Ensuite, il suffit de cliquer sur le menu Settings pour ouvrir la fenêtre du Plugin Manager. Dans cette fenêtre Plugin Manager, il suffit de cliquer en bas à droite sur Scan, ce qui va permettre au logiciel de retrouver le dossier de plugin VST afin d'importer tous ceux qui sont disponibles. On remarque maintenant qu'il détecte automatiquement les instruments virtuels et les valide au sein de VIP. Cette étape prend généralement quelques minutes. Dès que la double flèche arrêtera de tourner, cela signifiera que le scan est terminé et qu'il ne vous reste plus qu'à cliquer sur OK, ce qui vous amène à la fenêtre de navigation. L'étape suivante concernant l'installation consiste à ce que VIP importe tous les presets et autres données de chaque instrument virtuel. On distingue la liste de mes instruments parmi lesquels il y a Absinthe, Alchemy, Big Band 2, et cela continue avec FabFilter et encore beaucoup d'autres. Cette étape peut prendre du temps, tout dépend de la quantité d'instruments que vous avez dans votre bibliothèque. La mienne est assez importante et cela prend en général plusieurs minutes.